Michel. Hola, Sofia. Comme ça? Muy bien. Et tu? Bien. Surtout quand on a du grand vin. Oui, alors Santalba. Limited edition. Et alors pourquoi édition limitée? Alors c'est un. Alors d'abord, Santalba, c'est une bodega absolument magnifique dans la Rioja. Mm-hmm. Donc nous sommes sur le DOC Rioja, une des deux DOC espagnoles, puisque la deuxième c'est Priorat. D'accord. En Catalogne. Et vraiment, quand j'ai dégusté ce vin, j'ai dit ouf, ça c'est top. Parce que les gens ont une image de la Rioja qui n'est pas forcément très positive, un petit peu comme le Chianti en Italie. Je parle des Français. Mais quand tu goûtes ça, tu te dis, là, vraiment, c'est grand. Donc, cépage Tempranillo, qui est le cépage roi d'Espagne, si je peux me permettre le jeu de mots, puisque nous sommes dans un royaume. Voilà. Et limited edition, parce qu'ils ne sortent cette cuvée que dans les millésimes vraiment exceptionnels. D'accord. Donc là, on a quelque chose d'exceptionnel. Forcément. Très bien. Puisque le millésime est sorti. Magnifique. Alors 2008, nous allons goûter ça. C'est parti. Le petit bruit que vous appréciez tant. Voilà, ça c'est un bruit positif. Voilà, c'est vrai, quand, la manière que ça coule, on sent qu'il y a une certaine concentration déjà. Okay. On le voit, on confirme à la couleur. Alors, le cépage Tempranillo n'est pas un cépage qui donne des couleurs trop foncées, mais déjà là, on a une belle extraction de couleurs, un dégradé assez nuancé, allant vers une petite évolution. Donc, c'est un vin qui a commencé son évolution. 2008, nous sommes en 2014, oui. 6 ans, c'est quand même honnête. C'est voilà, mais ça reste quand même des notes un petit peu violacées, ça reste quand même assez jeune en couleur. D'accord. Brillant, limpide et beaucoup de gras à la couleur, hein. Beaucoup de, dans la robe, beaucoup d'épaisseur, de concentration. C'est gras, ça veut dire l'épaisseur Ça veut dire l'épaisseur apportée soit par l'alcool, mais là c'est surtout par les rendements, les vieilles vignes qui donnent une concentration supplémentaire. D'accord. Alors, au nez? Au nez. Là aussi, très profond. Oui. On a quelque chose d'assez subtil, un peu. Imagine un pot de confiture dans lequel tu as de la fraise, de la framboise, de la mûre, du cassis, et dans lequel tu aurais légèrement fumé ces fruits. On a exactement ça. Mmh. En plus, derrière, on a des épices, mais c'est subtil, c'est fin. Et on a l'impression qu'il faut aller les chercher, ces arômes. Et ça, c'est vraiment le signe d'un grand vin, quand tu n'as pas toute la vitrine devant, mais quand tout arrive petit à petit. Progressivement. On a des notes chocolatées, cerises également, cardamome pour le côté frais, un peu menthe poivrée, réglisse. Bon, on peut trouver plein de choses. Plein de choses. Mais c'est vrai que j'imagine c'est bien magnifique. Le pot de confiture. Ouais. Alors ça, c'est un vin effectivement qui a eu un élevage de 13 mois en fût de chêne. Donc, ça a apporté quand même une certaine noblesse, hein, voilà, et un petit peu de chêne américain, ce qui a donné un côté un peu plus vanillé au vin. Voilà. Mais c'est une très grande cuvée. Très bien. Alors, en bouche maintenant. En bouche. C'est fin. Oui. C'est fin, ça coule comme ça. Ça passe. C'est un bon poison. Voilà, c'est vraiment quelque chose. C'est fin, c'est velouté. T'as tout ce qu'on avait au nez, ça arrive. Ça revient. De la même manière, tu as les fruits qui viennent, tu as le côté fumé, le côté tabac, tu as le côté réglissé, mentholé, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Voilà un très grand vin, une très grande bouteille. Quand je déguste des Rioja comme ça, moi, je... Vous en redemandez. Ouais, j'en redemande tout le temps. Et, en plus, et c'est vrai, c'est des très grands vins. Et c'est vrai qu'en Espagne, il y a beaucoup de pays où on fait de très grands vins. Et je suis très heureux qu'on puisse proposer de temps en temps des vins du monde. Oui, c'est une très bonne quand idée. Quand on est à ce niveau-là, les Français peuvent se tenir à carreau quelquefois. Et étiquette très féminine, hein, on remarquera. Ah, j'en sais rien. Oui, c'est assez féminine, un côté un peu arabesque. Il ne faut pas oublier que les Arabes sont restés quand même 5 siècles en Espagne. En Espagne. Hein, voilà, donc, un petit peu arabesque, mais j'ai l'impression que ça fait un peu grappe de raisin, pamprille. Donc très classe. C'est vrai que c'est un très classe. Alors voilà un vin qui mérite un grand dîner, un grand repas, une belle occasion. Des viandes rôties, des jus truffés, parfumés de champignons, des réductions. On a envie de passer la journée en cuisine quand on déguste un vin comme ça. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Dès que je goûte ça, hop, j'ai déjà mon tablier, j'ai fait mes courses et dans ma tête et j'ai vraiment envie de faire un très bon grand repas. Plat. Et ça peut être un plat français, hein, classique, un tourneau de Rossini, une tranche de foie gras chaud, du bœuf, un magret de canard, un canard rôti. On peut aller aussi sur du gibier quand viendra la saison. Hein, quand on est en saison de gibier, voilà un vin qui tient bien sur le... Mais toujours en finesse et en subtilité. Très bien.
Donc effectivement, il a quelque chose de féminin, de séducteur, un hidalgo, hein, comme on dit en Espagne. Un hidalgo. Très bien, très bien. Eh bien, Jean-Michel, on espère que nos abonnés apprécieront. Limité d'édition 2008, Santalba, une très grande bouteille espagnole. Voilà, alors appréciez-la et à très bientôt. Bonne dégustation. Au revoir, Jean-Michel.